Toujours dans le même thème et toujours à Gagnoa, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, a lancé le programme de production alimentaire d'urgence le vendredi 16 février 2024. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Robert Beugré-Mambé, cette cérémonie marque le démarrage effectif des activités du programme qui vise à réduire significativement les importations des produits alimentaires de base à travers l'augmentation de la production de riz, de maïs et de manioc en vue de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. La manifestation s'est déroulée en présence de Miss Dogo Belmonde, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. L'un des temps forts de ces différentes cérémonies a été la distribution gratuite de semences améliorées de maïs, de riz, de manioc et d'engrais de qualité aux coopératives agricoles du GOP. Il devrait permettre de façon spécifique de réduire dans le court et moyen terme la dépendance de notre pays aux importations de céréales de base, riz, maïs, et de booster la production de manioc afin de promouvoir sa valorisation face à la flambée des coûts du blé sur les marchés internationaux. Cette initiative, qui sera mise en œuvre sur 2 ans, permettra au gouvernement de répondre aux besoins des acteurs face à la crise alimentaire et aux perturbations de l'approvisionnement en intrants essentiels à la production alimentaire. Le président du conseil régional, il est heureux. Il ne peut que vous dire merci parce que votre action et votre initiative vont impacter positivement et durablement le quotidien de nos populations. Et il m'a instruit de demander aux guides religieux, à l'effet de dire des prières, de multiplier les prières pour le président de la République, grâce au leadership éclairé de qui nous bénéficions de tous ces bienfaits. Au total, 800 000 producteurs bénéficieront de l'appui du gouvernement en semences améliorées et en engrais de qualité. Rappelons que le gouvernement ivoirien a fait de la sécurité alimentaire des populations une priorité de sa politique de développement agricole en 2024.